Je vais avoir de la compagnie. Je te présente Kevin. Qu'est-ce qu'il a aux yeux? Il vient de subir une opération. Tu vas rester avec lui pendant un mois. Il est aveugle? Oui. Non, bien sûr que non. Tout va s'arranger, mon fils. Tais-toi, maman. Ne raconte pas d'histoire. Irréversible, le docteur Michel a dit. Et une aide-soignante m'a expliqué ce que ça voulait dire. Alors, tu ne verras plus jamais? Non. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vois? Raconte-moi comme si tu étais les yeux. Ben, je sais pas moi. Des gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore les fleurs. Tu en vois? Oui, il y a même un jardinier qui en plante sur un massif. Il y en a des bleus et des jaunes. C'est beau? Oui, très très beau. Et des animaux, mes yeux? Oui, oui, il y a plein d'oiseaux dans le ciel. Et dans le parc, un petit étang avec des canards dessus. Une maman avec ses trois petits, c'est marrant. Ce chien. Celui qui passe est blanc et noir, avec de grandes oreilles. C'est un bonhomme habillé tout en noir qui le promène. C'est rigolo, le chien tire dans tous les sens. Au fond du square, les arbres, ils sont blancs et fins. Ce sont des peupliers, j'en suis sûr. Il y en a chez ma grand-mère. Et les canards, dis mes yeux, ils sont toujours là? Oui, ils sont sur le petit lac. Cette fois-ci, ils se promènent à la queue leu-leu. Pendant ces 4 semaines, mais tu as fait beaucoup pour son moral. On avait très peur pour lui, et grâce à toi, il s'est vite rétabli. J'ai rien fait, j'ai juste raconté ce que je voyais par la fenêtre pendant la journée. Qu'est-ce qu'il raconte bien, mes yeux? J'avais l'impression de voir la même chose que lui. Tu parles. C'est pas difficile de raconter ce que l'on voit.